Nous parlons, c'est Midline Felizor, Miss Haïti Univers 2022. Et je vais pour mal représenter Haïti dans Miss Univers 14 janvier dans New Orleans. Midline Felizor fait en cerveau, moi j'ai 27 ans. Moi pas de enfance qui facile du tout. Parce que à l'âge de 5 ans, j'ai perdu ma maman et j'étais obligée de rentrer pour au prince pour devenir vivre avec une tante qui m'a pas habituée. J'étais toujours senti différent par rapport à ça avec l'autre petit monde parce que moun était toujours rappelé que m'pa gen maman, c'est quand moun que m'habité. Là m'vinn gen 8 ans, j'étais gen problème yeux encore côté que il était difficile pour moi pour m'était ouais, chaque temps il commençait faire noir. Puis gros maladie encore c'est oppression qui était comme toujours fait me songer maman dans moment que m'pa ka respirer pour me songer comme si m'était gen un monde de ka mettre tête moi sous lui pour t'épauler moi. Papa m'était toujours payé l'école moi mais moi pas t'a vivre ensemble avec lui. Mais ça va t'empêcher que malgré papa m'était sur route moi avec l'autre monde la vie t'était mettait sur route moi m'était toujours sentiment qui en bagaille, m'était toujours sentiment inférieur par rapport avec l'autre petit monde. Là moi pour aller faire 3e, songer papa me perd du travail lui. Papa me perd du travail lui, il était obligé de mettre dans lycée après-midi. C'était un moment qui était vraiment, vraiment difficile. C'était un moment qui était vraiment, vraiment difficile pour moi parce que en pile monde était toujours à faire farouché, me dit que Midline c'est quand mon habité, c'est ça que fait, je mets dans le lycée après-midi. Et bien c'est là la vie m'a pas changé tout, malgré tout mauvais moment ça. Là dans seconde, après une année bouleversée dans 3e secondaire dans le lycée Fritz Pierre-Louis. Dans la seconde, j'ai décidé de rentrer dans le domaine sport. J'ai décidé de commencer à pratiquer le sport. Et ça a aidé à combattre l'oppression, côté que j'ai des difficultés pour respirer. J'ai songé que j'ai participé à un cours 800 mètres qui a fait Carrefour. J'ai arrivé 3e, j'ai pris médaille de bronze. Imaginez-nous, un petit monde qui a des problèmes de respiration, qui n'est pas capable de respecter, qui a même demandé la mort et qui arrive à gagner une médaille de bronze dans un cours. Tout ça, c'était commencement changement la vie moi. Avec sport, c'est là la vie moi était vraiment commencé changer. C'est là que me t'ai vraiment commencé gagner confiance dans moi-même et c'est ça qui t'ai poussé me tout même aller prendre formation dans escrime qui c'est un sport de combat. Moi pour terminer études classiques moi, mais me t'ai prendre formation dans association haïtienne de sport scolaire côté me commence à travailler avec tout monde, commence à coacher tout monde et ça t'ai permettre moi de rentrer tout. M'aller travailler dans matin, m'aller l'école dans après-midi. C'est comme ça la vie m'était déroulée jusqu'à ce que moi fini l'école. Là moi terminé études classiques, moi décidé aller étudier sciences juridiques. Moi t'ai allé étudier sciences juridiques pour me capable défendre droit ti moun sa yo parce que moi connais que là ou pas gagne monde qui va les yeux sur, là ou pas gagne maman ou bien papa qui là comment que li difficile. Surtout si ou pas gagne une bonne famille qui pour camper ensemble avec vous. Donc ça t'ai poussé m'aller étudier sciences juridiques et de côté moi t'ai allé étudier hôtellerie tout. C'est un domaine qui montrait comment pour traiter mon qui est d'autres traiter mon bien et c'est papa qui t'a inspiré comme gestionnaire d'hôtel qui t'a fait m'aller étudier hôtellerie de côté. Donc traiter mon bien c'est un bagage qui est vraiment important, vraiment vraiment important et m'étais apprendre ça pendant que moi t'ai étudié hôtellerie et ensemble avec papa. L'autre changement qui t'a pas le fait dans la vie qui t'a pas le renforcer confiance dans tête moi c'est mannequinat. Mannequinat aidé me reprendre confiance dans moi-même. Parce que non seulement il a rappelé que je n'ai pas maman, que j'étais dans le lycée, tout ça, et il m'a fauché tout du fait que j'étais de grande taille. Il m'a appelé le Golden Bell, le plus haut, etc. Donc, mannequin lui-même, il était venu faire quoi dans la tête? Il était venu faire accepter comme ça, ensemble avec le sport. Donc, c'est mannequin tout, et c'est même confiance qui m'a à participer dans Miss World Haïti en 2018. Moi, j'étais première dauphine Miss World Haïti, et ça m'a donné le droit d'aller représenter Haïti. Dans le pays Pologne, côté que je prends le titre Miss Supra Model Caribéen et je fais partie du top 9 best costume national. Donc, tout ça, c'est comme ça la vie m'a déroulé. Je ne peux pas souvent expliquer toute l'histoire, mais je vis des mauvais moments et très souvent je fais de l'eau couler dans les yeux. Même si je suis une femme qui a une pile de détermination, qui croit dans le travail pour réaliser les rêves. Ouais dans pays qui remet pays et qui vient gagner un l'amour spécial pour tout le monde parce que moi connais qui ça enfance moi comment ça t'est et qu'il pas vraiment facile pour moi du tout du tout.
Je dis à moi Miss Univers Haïti 2022. Et je dis à tout le monde que c'est directrice d'une agence de mannequins que je créé après que j'ai fait une pratique Miss Supermodel Caribéenne en 2018. Moi-même, Midline Felizor qui a été humiliée, soit dit que je suis dans la liste et tout ça. Je dis à moi que j'ai une chance pour me représenter le pays. J'ai une chance pour m'inspirer. Moi, je suis un modèle pour quelques jeunes qui ont gardé. Je suis venu inspirer les jeunes. Moi, je voulais représenter Haïti pour me capable de voir pour chaque petit monde qui pas gagne monde qui pouvait les yeux sur eux, pour chaque petit monde qui pas gagne monde qui pour défendre droit eux. Et encore, moi, je voulais aller représenter Haïti pour même jeunes qui regardent me jeudi là, parce que moi, je voulais sensibiliser nous tous pour nous respecter droit petit monde, pour petit monde ça ne pas vivre même bagaille ensemble avec moi. Et moi, je voulais un porte-parole tout pour jeunesse haïtienne, pour même qui t'aimer vivre dans pays et pour même tout qui voulait construire pays ensemble avec moi.